En 1492, Christophe Colomb part de l'Andalousie en Espagne pour un long voyage afin de découvrir de nouvelles terres. Mais connais-tu le lien qui relie Christophe Colomb à l'archipel des Canaries situé au large du Maroc? Eh bien, c'est dans ces îles, précisément dans l'île de Grande Canarie, que le navigateur fit sa dernière halte avant la traversée de l'Atlantique. En effet, l'archipel des Canaries se trouve sur la route des Alizés, ces vents qui soufflent d'est en ouest. C'est aussi le dernier territoire européen espagnol, l'idéal pour terminer les préparatifs du voyage. En août 1492, les trois navires, la Santa Maria, la Pinta et la Niña, arrivent à Las Palmas. Pendant presque un mois, Christophe Colomb va vivre dans la magnifique maison du gouverneur. Il va entre autres y faire réparer ses caravelles, dont la Pinta qui a subi des dommages. Les caravelles sont des navires qui ont été inventés par les Portugais au XVe siècle. Ces bateaux permettaient de faire de longs voyages grâce aux mâts et aux voiles triangulaires ou carrées, orientables selon la direction du vent. La Pinta mesurait 22 mètres de long et 7 mètres de large. L'équipage était formé de 26 hommes. La Santa Maria n'est pas une caravelle, mais une nao, c'est-à-dire un navire plus robuste et plus grand, avec ses 30 mètres de long. Tu vois ici la reconstitution de la cabine de Christophe Colomb dans la Niña. Le navigateur y conservait ses outils de navigation, comme les portulans. Ce sont les premières cartes de navigation qui indiquaient les ports, mais aussi les récifs, les hauts fonds. Elles étaient une grande aide pour les marins qui partaient vers des territoires inconnus. D'ailleurs, le frère de Christophe Colomb, Bartholomé, travaillait chez un célèbre cartographe de Lisbonne. Ce portulan, composé de 6 parchemins collés sur du bois, date du XIVe siècle. Il s'agit de l'Atlas catalan qui est considéré comme un chef-d'œuvre de la cartographie. On y voit les territoires connus à l'époque et de nombreuses inscriptions guident les marins. Ceux-ci ont d'ailleurs besoin d'outils de navigation, comme la boussole ou le compas. Ces instruments permettent de connaître la position du navire puisqu'ils indiquent le nord magnétique. En Europe, la boussole est utilisée depuis le début du XIVe siècle, même si des références plus anciennes existent. Enfin, l'astrolabe permet lui aussi de naviguer en indiquant la position des étoiles. C'est un très vieil outil de navigation puisque ce sont les Grecs qui l'ont inventé au IIe siècle avant Jésus-Christ. Puis les scientifiques arabes l'ont amélioré. L'astrolabe donne également l'heure en calculant la position du soleil dans le ciel. C'est ainsi que le 6 septembre 1492, les trois navires quittent le port de Las Palmas. Après 36 jours d'un voyage mouvementé, les marins de la Pinta sont les premiers à voir la Terre le 12 octobre. Ils viennent de découvrir les îles Bahamas et Cuba. C'est le début d'une nouvelle aventure pour l'Europe et le monde.